sans l'obscurité, le dessus sans le dessous. Eh bien, il y avait sur les hauteurs de Millau un endroit que l'on appelait le Pays Maigre, tant sa terre était mauvaise, dure et stérile. On n'y voyait que des clapasses. Il n'y a que des mauvais coins de jardin là-haut, disait-on. Les Millavois avaient baptisé le lieu Maloupté. C'était aussi là où vivait le drac, que les habitants du Cos avaient réussi à chasser de leur contrée. On raconte qu'une balme, une grotte, lui permettait de garder un lien avec les mondes souterrains et qu'il y avait caché de nombreux objets et trésors dérobés aux gens du pays. Une terrible odeur de soufre s'en dégageait. Le vent du nord la transportait parfois jusque dans les petites ruelles de la ville et d'étranges bruits envahissaient alors les champs. On disait « Tiens, le drac est sorti de sa dragonnière au Pays Maigre » et on se gardait bien de mettre le nez dehors. De la rivière Tarn, tapi dans l'ombre du plateau du Larzac, vivait un petit pied de vigne tout chétif, qui regardait avec envie les dancelles ensoleillées de Maloupté. Il aurait tant voulu, lui, y planter racines, y déployer ses feuilles au manque de lumière. Son grand-père, le vieux cep tout tordu, lui dit un jour « Mon petit, il est temps pour toi de mettre le chemin sous tes pieds. Tu dois aller vers ce qui t'appelle. Qu'importe les embûches et le danger, n'aie pas peur. Mais surtout, surtout, n'oublie pas d'où tu viens. » Dans un de ses nœuds naissants, le vieux cep dépose une pierre magique. Tu pourras l'utiliser 3 fois. En cas de besoin, invoque-la. Peira, peira, peireta. Revigoré par les mots de son grand-père, le petit cep se met en route. Du haut de son puèche, le drac avait tout entendu. Les dracs ont l'oreille fine. Agacé, il se met à ruminer, à rondiner, et de ses naseaux souffle un puissant buffal d'air chaud qui dévale la pente jusqu'à la rivière pour s'engouffrer sous les eaux du Tarn, qui sortent immédiatement de leur lit. Une vraie tarnade. Le cep, qui s'apprêtait à tremper ses racines pour traverser, s'arrête net, stoppé par la montée des eaux, stupéfait de voir une si grande crue se former en si peu de temps. Il distingue entre deux vagues une forme qui s'avance vers lui. Un aviole accoste tant bien que mal juste là, devant lui. À son bord, un petit garçon disposé à l'aider à traverser. Il l'invite à monter et s'engage tant bien que mal sur ses eaux déchaînées. La scène depuis les Bartasses décident de leur venir en aide. Elles se rapprochent de l'embarcation et l'emportent dans une envolée dont elles seules ont le secret. Et finit par creuser un sillon autour du cep incrédule. Pour finir, il
bâtit une cage en deux temps trois mouvements dans laquelle le petit arbuste se retrouve prisonnier. On raconte que grâce à sa pierre magique, le cèpe a creusé un tunnel pour s'échapper et que la bataille s'est reproduite à plusieurs endroits sur le travers du pêche. C'est cela dit en passant, ce qui a donné la forme à toutes les placettes du quartier. De retour à la surface, le cep se retrouve dans un petit pré. Il y est rejoint par le petit garçon qui suivait l'affrontement à distance. Le soir venu, les deux amis font un grand feu pour fêter leur retrouvaille et s'endorment paisiblement. Selon les anciens, c'est cette odeur qui pousserait parfois les hommes à commettre quelques folies.